on t'y parlait et sous question économie. Merci un pile, n'a pas l'écoute, n'a pas les biens. Et inflation en cas 9.3% en janvier 2023, c'est ça, IHS dit nous. CNS a dit nous, il y a 4.9 millions haïtiens qui n'ont un grand goût. Entre temps, le gouvernement et une dernière interview de gain avec le ministre Affaires sociales a indiqué que, par exemple, 15 milliards de gourdes que FMI a mis à disposition à Haïti, donc 100 millions de gourdes dans le Food Shock Window Programme là, et d'autres grands gourdes qui ont été dépensés. Maintenant, pendant un bon grand goût, ça, mon appui qui était gâté, il y a des grosses difficultés. Sur le marché international, là, il y a des prix des produits qui repassaient dans le niveau de avant guerre en Ukraine. Là. Maintenant, le dollar là, continue de perdre du valeur, la sécurité fait que mon dos, dans le grand goût, ça a toujours. Question très simple, M. Emile. Pour analyser là, là, qui l'a pensé, mon gars, il y a un souffle dans l'assiette qui est au ici, à n'importe où. Bon, écoutez. Et Alphonse, c'est très difficile. Pour capable faire des prédictions sur le plan économique, les qu'on connaît que problème là est transversal et pas nécessairement économique. C'est des bagages pour qu'on garde avec un œil holistique parce que et nous allons regarder tout à l'heure parce qu'on fait une première considération là que des prix de produits agricoles, c'est-à-dire alimentaires à reprendre niveau avant crise, avant Covid, pendant que sur le plan local que situation a toujours est insupportable. On parle d'inflation 49% et n'a pas rappelé pour mon capitaine depuis période embargo coup d'état des années 90, 92, 93, Haïti par exemple connaît une inflation qui aussi élevée. Donc ça n'a vivre là, c'est pas bagaille que nous vivons chaque jour. Pour monde qui est jeune, qui pas qu'on 30 ans, ça veut dire que pour qu'on connaît, pas qu'on connaît un bagaille qui est aussi mauvais. Que non, en termes de situation de prix, par exemple. Maintenant, il y a un élément que j'aime dire qui fait que le plus difficile pour dire qui gens sont capables de finir, en fait, qui est capable de finir, c'est encore une fois parce que il y a trop de paramètres qui doivent entrer en ligne de compte dans la compréhension, mais aussi dans la résolution de problèmes. Exemple, situation sécurité, c'est un gros élément qui pèse en pile, ni sous prix, ni sous dollar, ni sous croissance, ni sous création d'emplois, ni sous investissement étranger, ni sous tourisme. C'est-à-dire que toutes sortes à supposer gagner sont liées avec le climat. Donc, l'économie n'est pas en bas qui pour colle, la évolue dans l'environnement. Et tout ça, nous avons parlé matin là, nous avons parlé d'éditorial là avec France. Et toute question ça, sous question gouvernance, sécurité, la police, ils ont tout supposé créer conditions pour que l'économie soit capable lui-même développer, lui-même capable créer richesse normalement. Maintenant, sous ta vie d'abord, moi essayer faire une petite considération pour qui ça que ou dit effectivement prix ou descend sur le marché international et alors que en Haïti, yo pas descend. Même d'après essayer garder avant émission site que ce soit les différentes agences Nations Unies, FAO qui baille des indices sur question prix alimentaire et nous voyons effectivement que gagne une baisse d'adi global de à peu près 18% de 18.7% de prix alimentaire globalement de mars 2022 à mars 2023. Et là, on prend de manière spécifique, sous maïs, on a 24% baisse, et sous blé, on a 7%. Majoritairement, ils descendent, à l'exception de sucre, qui pas descendent vraiment, et, mais ils sont couvrés par baisse de l'autre bagaille, tant que du riz, tant que blé, tant que l'huile, et bien évidemment, avec des niveaux de pourcentage qui varient. Cependant, dans le cas de Haïti, la situation aurait été compliquée. Et je me suis regardé qui s'est passé. D'abord, pour parler de ça, il y a un lien étroit entre le dollar qui a monté et le prix produit. Ça veut dire que si le prix produit l'autre bon, que n'a pas acheté, pas bien, non, Haïti dépend en pile de produits étrangers d'après de 65%, et notamment pour produits alimentaires. Presque 70% de certains cas. Maintenant, si le produit n'a pas acheté l'autre bon, n'a pas acheté un dollar. Même si le prix de l'autre bord n'a pas monté, si le dollar a monté, le produit a été plus cher en Haïti. Donc, premier niveau dans l'augmentation de prix, il est lié avec la question de dollar. Quoique, je vous dis à la, et ça nous dit les transports maritimes baissés en pile par rapport à Jean Kelté, parce qu'il était même arrivé à pratiquement une croissance de 650% de COVID, à partir de COVID, mais je vous dis à la, il reprend le coût normal.
Cependant, oui, par exemple, un conteneur qui a sauté en Asie, qui a compté 10 000 et plus qu'on y a retourné à 1700, 1800. Donc, une gros, gros baisse. Exactement, exactement. Et il y a une comparaison entre pour Europe, tout ça, Asie, Europe, il était 11 000 dollars pendant une période de temps, qu'on y a là 2500. Et j'en dis là pour Amérique, ils ont été cassés moins cher dans le niveau qu'on dit là. Donc, ça veut dire que vraiment, dans le niveau ça, pas à se poser qu'un problème. Cependant, moi, le premier élément, c'est dollars, vu que nous achetons à l'étranger presque 65 à 70% produits alimentaires que nous avons consommés. Donc, quelque part, le fait que nous n'avons pas de capacité pour nous créer suffisamment de richesses au niveau agricole pour que les relancer, pour que l'investissement fait, pour que l'accompagnement soit fait. Donc, dépendance là, fait que nous payons le prix de yon, le fait que nous dépendons de l'importation avec dollars qui montent. Donc là, c'est des problèmes structurels. Pas demain matin, ou pral fait agriculture Haïti qui a une capacité pour le capable de bailler et manger. Potentiel lieu là, mais c'est pas avec un clic, il demande en pile, en pile, en pile de travail. Ça, c'est le premier élément, c'est question de là. Maintenant, deuxième élément, quand on parle matin sur le record de douane, le record de douane, il y a un parc sur prix produit. Et ceci à deux niveaux. Les gens qui parlent de jambes pays douane, pour n'y a qu'au fait pays douane, pour aller vendre produit la piche pour être capable d'indexer sa douane sur le pays. Mais dans le monde qui pas de paye assez, qui vient payer plus, pour aller mettre le sous-prix produit à tout. Donc, ça qui a passé depuis août-septembre dans la question douane que nous, que nous avons constaté, avec augmentation ou cette, effectivement, il y a un impact direct sur le prix final produit, parce que le monde qui a importé, pas de compte de payer, qu'on a dit, comme douane fait payer, bref, la population paye dans place moins. Ça, c'est très clair, pas aucun débat solide de transmission, de augmentation des recettes qui veut dire augmentation de niveau droit et taxes que l'État prend sous monde qui a importé et qui vient indexer sous prix produit. Ça, c'est un deuxième élément. Maintenant, troisième élément, c'est l'insécurité. Que moi-même, que je considère tant qu'on taxe sur la richesse, tant qu'on taxe sur l'économie. Et ceci à tous les niveaux. Ni les qui n'ont pas là, ni même, faut le payer, ben, dit pour éviter que, ou craser côté lié à, pour capable permettre que les fonctionnent, les rentrent bateau, sinon, le pas capable. Donc, deuxièmement, moun sa li même, qu'a prend deux bateaux, qu'a mettre dans camion, container pour traverser, pour venir dans truc, pour venir dans dépôt, gon l'autre monde qui parle dans détail, et à tous les niveaux, les gangs armés, yo mandé payer, même machin, cap vendre un panier ndadi du riz ou bien spaghetti qui gagne 12 et bagaille là-dedans 12 sachets là-dedans moun ça pas ka passer que ce soit dans marché côté la vive ou bien dans Carrefour ou bien n'importe qui côté pour que le pas taxé. Donc ça veut dire que ou pas même ka mesurer qui niveau de prix qui augmenté avec ça. Et encore moun qui obligé passer par bateau pour faire de APN tomber tort ou bien tomber dans Carrefour pour payer tant combien dollars par sac, etc. Donc, quelque part, l'insécurité a vint mettre un coût important, elle a quand même deux fois, trois fois prix produit dans certains cas, et automatiquement, il vient impacter le prix final produit. Et plus que ça, maintenant, le monde qui a produit sur le plan local, là, parce que marche en pile dans le pays, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans différents côtés de la grandeur, les intrants agricoles, que ce soit semences, que ce soit engrais, et que ce soit les équipements agricoles tout qui absorbent pas tout prince naturellement yo même tout yo vinn piché parce que transporter le tout pour mon nan ka produit li vinn cher. Donc non seulement produit ka importé a vinn cher avec toute chaîne commercialisation hein, mais mon ka produit localement tout nan condition la produit a li vinn plus compliqué. Maintenant troisième et quatrième élément que faut pas minimiser du tout Benson et qui quelque part fait que prix ont toujours été haut malgré sur le plan international yo baissé produits alimentaires, c'est que nous prenons deux ajustements gaz dans un an. Faut ne pas oublier ça. Et yo ajusté en pile avec plus de 100% par exemple sur diesel et qui gagne impact direct sur toute chaîne. Oui, gaz a baissé tout sur le marché international là. Effectivement gaz a baissé sur le marché international là. Alors que en Haïti, nous prenons deux ajustements et yo pas jamais pensé à baisser malheureusement. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'ajustement automatique que moi-même ou même ou Farel, on tout toujours, et la lime, toujours parler de ça, qui j'en pour que gaz qui a ajusté de manière automatique. J'ai tout pays fait, l'aile monter, fait le monter,
l'aile descend fait descend qui t'as capable protéger certains groupes dans pays qui vulnérables qui capable acheter gaz là particulièrement pour transport public donc l'on fait ajustement ça pendant que j'en tape de la gaz descend on tape garder chiffre à travers ben baou rapidement et gaz descend à peu près à d'à près de 30% en un an de mars année dernière à jour d'hier là alors que sur le plan local nous t'ai assisté à deux ajustements qui fait et qui mettait nous dans situation difficile et c'est pas seulement ça non seulement gaz là monté mais chaque fois gain rentré monde vient acheter gaz là plus cher dans marché informel tout ça on mettait ensemble il vient bon cocktail sur le prix et cinquièmement ça lui même c'est dans marché monté descend moi vient comprendre ni c'est que bon sécheresse qui a ravagé pays là soit li et Alphonse rapport CNSA c'est comme si vous pas comprendre parce que c'est français vous regardez au dougain sécheresse ou on témoin je parle de stress hydrique c'est-à-dire que pas gain assez d'eau vous bande français nombre de millimètres de pluie mais au final l'eau aller dans pestel l'eau aller dans équipe de zone dans pays là et que ce soit dans sud dans NIP dans nord dans tout côté bon sécheresse qui a ravagé mon yo la pluie pas tombé et l'affecter production agricole locale qui quand même représente et en bon valeur et un prend sud par exemple trois départements sud Nip Grandens c'est presque 50% de l'offre agricole nationale et trois départements ça aujourd'hui à la yo gon sécheresse qui a ravagé yo qui fait que pas capable kembe dans reproduction yo donc il a affecté disponibilité produit sur le marché qui était capable compenser un peu ça qui a importé. Et dernier élément, nous ne sommes pas capables de parler de ça. Il faut que nous disions, c'est que l'on économie qui domine par les structures de marché oligopolistiques, ça veut dire que pas n'y a plus l'acteur qui a intervenu dans vendre, dans importer produits de base, lit généralement créer tendance pour qu'il y ait des abus qui fait sur les prix. Voilà. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Besson. Oui, vous avez dit l'on domine par un marché oligopolistique. Oui, il même tout il y a tendance pour lui faire que acteurs qui dans marché ça capable faire des abus parce que yo pas gain en pile compétiteurs en face et nous connait très bien différents denrées ou encore matières en produits alimentaires yo tout dominé par des marchés concentrés qui les même tout c'est un bail structurel qui généralement fait que les prix a toujours capable augmenter plus de ça tout élément que nous sommes cité là. Maintenant, bien content ou étalé pour nous, tu as des articles de nouvelles prises qui baillent, comment prix engrais explosé, sécheresse, même qui n'a pas goût, ou bien détaillé pour nous. Si bien comprendre notre seconde, principal problème d'existence, de subsistance, problème économique, problème social à résoudre là, c'est rétablir sécurité dans le pays, monsieur Emile. Pas gain pour pas boire. Fondamentalement. C'est tout le bagage campé, c'est un stenot à résoudre ça, parce que si nous baillons tout ça, on va mourir. Exactement. Matin, m'attend des députés tardieu. Moi souris parce que moi ouais un pile acteur a insisté sur négociation, élargissement, mais il oublie que faut même vraiment dans le pays a haïtien pas intéressé qu'on est si gagne 10 partis en plus qu'Ariel. Ariel. Population pas intéressé qu'on est c'est Montana avec peine avec Ariel à fond seul. Population besoin sortir, besoin fonctionner, monde qui fait commerce besoin qu'à traverser, c'est ça qui intéresse. Et même pas quoi nous besoin négocier pour gagner sécurité. C'est extrêmement important pour que nous pas mettre bagarre à la côté de pays. Merci, monsieur Emile. Passons bonne journée.